Whose motorcycle is this? It's a chopper, baby. Whose chopper is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. Merci, c'est cool, on en sait un petit peu plus. Est-ce que toi, tu connaissais Calpen et John Cho avant de voir ce film? John Cho, je pense que la première fois que j'ai dû voir cet acteur, c'était dans un épisode de Charmed. Oh, quel épisode? Je sais plus, c'était dans les trois premières saisons. C'est l'épisode avec les fantômes chinois. Ouais, c'est celui-là. Calpen, je préfère l'avoir vu avant un autre. Peut-être dans des films à la con. Tu l'as découvert comment le film? On l'a découvert ensemble. Enfin, moi je pense que je l'avais déjà vu avant. J'avais vu quand j'étais ado. Moi j'avais vu d'autres stoners mais pas celui-là. Ouais. Et du coup, Calpen, tu l'avais peut-être vu dans Doctora ou ça? Dans Doctora, je me rappelle même plus. Mais à mon avis, j'ai dû voir dans un film. Il a joué dans des films. Oui, il a joué dans American Pie, dans le Wonder. Ouais, ce genre de film-là. John Cho, il était dans American Pie aussi. Oui, effectivement, ouais. Donc, tu as peut-être vu à ce moment-là. Ouais, alors, on les voyait dans des petits rôles, mais jamais dans les principaux. Donc là, c'est vraiment les deux héros du film. Si par exemple, on t'avait proposé de voir ça au cinéma à sa sortie, t'aurais... En 2004... En regardant la bande-annonce, en regardant les acteurs... En 2004... C'est le genre de film que j'aurais pu regarder 2-3 ans après en soirée avec des potes. Parce qu'il y a eu des films de ce genre-là qui ont beaucoup tourné avec la réalité. Et à l'époque de sa sortie au cinéma, donc. Ouais, c'était genre en octobre, donc quelques années après la sortie. C'était vraiment le truc qui était en DVD avec une bague du vidéoclub. Même pas si c'était mis en avant dans nos comédies. Non, c'était plus les comédies françaises qui étaient mises en avant, ou alors les films qui cartonnaient la série. C'est vrai qu'en France, on le verra beaucoup avec les films qu'on va traiter. Au niveau de la com, ah ouais, il y a sur ces films. C'est toujours un peu violent. C'est un peu obscur. Soit c'est obscur et il est pas marketé bien, il est dans les fonds de, ouais, dans les fonds de vidéoclub. Bah, c'est très vrai ce que tu dis, parce que un des premiers souvenirs que j'ai de ce film, c'est d'avoir vu
comment dire, la bande-annonce sur une autre VHS d'un autre film qui s'appelle un American Pie ou quelque chose comme ça, et c'était vendu avec l'Indien de American Party et le Chinois de American Pie. C'était vraiment ça la bande-annonce. Voilà, à part ça, ils le mettaient pas vraiment en avant dans les rayons français. Quoi. Donc ouais, tu disais, on l'a découvert ensemble à ton premier visionnage. À quoi tu t'attendais? T'avais des expectations? T'avais quelque chose? Est-ce que tu avais maté la bande-annonce avant de mater? Je pense pas que je t'ai montré la bande-annonce. Donc on était allé vierge de tout, de toutes images. Alors je savais pas si je m'attendais à quelque chose en particulier, mais je sais que j'ai adoré dès le premier visionnage. Ouais. Vous l'avez déjà vu, mais c'est un peu pareil la première fois que je l'ai vu. Ça faisait longtemps que tu l'avais pas revu. Ça faisait longtemps que je l'avais pas revu, ça devait faire une petite dizaine d'années, j'avais un peu sorti de l'esprit. Et puis les choses de la vie sont ce qu'elles sont, et je suis plus trop, donc il n'y a plus énormément de relations avec ce truc, et puis je suis retombé là-dessus. De ce film que j'avais vu, donc la bande-annonce, de nombreuses fois, et que j'avais pu voir chez un pote en soirée, pareil, dans le bon état. Voilà, c'est les films qui se regardent avec la pratique, qui vont avec la pratique de la fumette. C'est les films que tu regardes quand tu es dans une période où tu fumes des pétards et où tu as envie d'avoir du contenu qui est lié à ça. Ouais, avec lesquels tu te relates facilement. Voilà, c'est avec les films, donc avec la musique et tout, t'as des trucs super. Bah justement, on va parler un petit peu du film et du scénario, de ce qui se passe un petit peu dans ce film. Alors donc, pour faire un bref sur ce que je veux dire, donc on a Harold et Kuma, qui sont vraiment des personnages très différents. On a d'un côté Harold qui est donc employé. Ça a l'air d'être dans une boîte de la finance, ouais, je sais pas trop. Enfin, c'est des boîtes avec des rapports et des trucs à rendre. Vraiment, la boîte spéciale, voilà. Pas dans les livres de space, mais c'est vraiment en mode de l'air. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, dès le début du film, on le voit, c'est emmerdé par les deux blancs, de la boîte. Puis, on met du pâle sur les deux dès le départ, dès le début du film, en fait, je pense que ça a marqué le premier plan, c'est des bus blancs, comme si c'était les personnages principaux du film, les personnages principaux du film. Sauf que la caméra, en fait, après un petit dialogue, va passer directement sur Harold. Donc ils vont aller emmerder à donner du taf en plus pour partir en week-end plus tôt, quoi. Alors du coup, Harold, au niveau de son caractère, je trouve qu'on voit tout de suite que c'est un mec qui se laisse un peu faire. On voit tout de suite que c'est insoumis, quoi. Ouais, je dirais pas insoumis parce que ça, tu sens que ça l'énerve. Tu sens qu'il dit ouais, voilà, mais parce qu'il veut se faire bien voir. Parce que, il se soumet, mais. Tu sens que c'est pas dans sa nature, mais qu'il se force pour. Il se soumet, mais il est violenté, ouais, il est vraiment violenté par ces mecs. Voilà. Et même on le voit, il y a une petite séquence pendant le générique qui est très discrète, il y a une petite blague très discrète. Il fait passer, t'as le gardien de parking qui ouvre la barrière, là, le garde-barrière du parking de la boîte, qui laisse passer tout le monde en mode salut, tranquille. Et puis dès que c'est lui, il le fait galérer et tout. Ouais. Tu vois ça quand il sort de son job. Sens que le sort s'acharne, quoi. Et donc, il y a aussi l'autre personnage de ce film, l'autre personnage principal, c'est Kumar, qui est assez différent. Est-ce que tu veux un peu nous présenter la façon dont il arrive dans le film? Eh bah, Kumar, lui, il est en train de passer un entretien à ce moment-là. Ouais. Un entretien pour rentrer dans une fac de médecine. Mmh. Donc on voit tout de suite que lui, il a l'air d'en avoir rien à foutre. Ouais, c'est clair, il répond aux questions, il répond bon, il répond tout juste, mais il s'en balaie, qu'il est là, et on sent que ça le saoule un petit peu. Voilà, on a plutôt l'impression qu'il veut rater son entretien, enfin, ça l'arrangerait bien de ne pas être accepté. Il est un peu arrogant, hein. Ouais, il a une petite arrogance, et puis il est en mode électron libre, quoi. Il aimerait bien vivre d'amour et d'eau fraîche. Oui, on sent que c'est un schlag, un peu. Voilà. On sent qu'il a envie de partir. Voilà. D'ailleurs, il répond au téléphone quand Harold l'appelle avec c'est sa ça. Super sonnerie. Alors, sa sonnerie, c'est, je sais l'imiter, ça fait genre avec un vieux bruit de bombe derrière. Tous les détails, je m'en rappelais plus de ça. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien ce film parce qu'il y a plein de petits détails comme ça qui sont hyper. Qui sont un truc précieux pour les stoners. La sonnerie de stoner, c'est vraiment un truc que tu retrouves dans pas mal de films. Quoi. Ouais. Mais j'aime bien ce genre de petits détails. Et donc, on comprend qu'ils sont colocs, que ce soir, ils sont partis pour se déchirer la tête. Voilà, exactement. Parce que ça a l'air d'être un peu le vendredi soir. Hein, c'est la fin du boulot. Exactement.
Et voilà, ils en ont un peu marre tous les deux. Effectivement, ils vont faire la fête. Et on retrouve donc Harold et Kumar dans leur appartement, en train de profiter, profiter de leurs herbes, de profiter de leur soirée.
whose motorcycle is this? It's a chopper, baby. Whose chopper is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead.